Bonjour tout le monde. Good morning. J'aimerais saluer d'abord Sean Strickland, que vous connaissez bien, qui est directeur exécutif des syndicats des métiers de la construction du Canada, et Michel Trépanier, président du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction. Tout d'abord, j'aimerais remercier les syndicats des métiers de la construction du Canada de m'avoir offert cette opportunité de vous rencontrer. Thank you for inviting me today. Je suis d'autant plus heureux que je vois vraiment ça comme le reflet d'une marque de confiance de la part du Conseil provincial du Québec des métiers de la construction. Et je remercie, bien sûr, avec beaucoup de sincérité, Michel Trépanier. Vous le savez mieux que quiconque, le monde du travail est en constante mutation. Et le thème de votre conférence, « Bâtissons pour demain », m'interpelle énormément. D'ailleurs, il fait partie des priorités du gouvernement du Québec de moderniser le secteur de la construction pour mieux répondre à nos défis de demain. The construction sector plays a fundamental role in supporting many essential activities, such as education, health, or housing. It also offers major economic windfalls and good salaries for numerous workers. In Canada, more than 500,000 workers have chosen our sector. Au Québec, l'industrie de la construction génère 6,6% du PIB comparativement à 6% au Canada. Ça représente au Québec près de 73 milliards de dollars d'investissement en 2022 et c'est une augmentation de 10% sur une période d'une année. À l'échelle de la province, 295 700 emplois directs sont générés en moyenne par mois dans notre secteur. C'est l'équivalent d'à peu près un emploi sur 15. In short, the construction industry is a foundation of our social and economic life. Besides, the industry will still be going strong this year, despite a slight pullback because, as you know, of the current economic context. On le sait, les besoins de la société et de la population seront majeurs dans les années à venir. Il faudra construire des écoles, des hôpitaux, des routes, des maisons et autres, sans parler des rénovations. La population étant toujours en croissance, il faut s'assurer que l'offre de services de l'industrie puisse répondre adéquatement à nos besoins. En d'autres mots, il faut le meilleur arrimage possible. L'industrie est déjà très performante, mais elle fait de plus en plus face à de sérieux défis pour répondre à l'ensemble des besoins. On manque de main-d'œuvre et nous devons augmenter notre productivité. L'industrie aura besoin annuellement d'environ 13 500 personnes par année d'ici 2026, et ce seulement au Québec. C'est pourquoi le gouvernement du Québec a mis en place la vaste opération main-d'œuvre en novembre 2021 qui vise notamment à attirer, former, requalifier 55 000 travailleurs et travailleuses dans le secteur de la construction d'ici 2026. Les travailleurs de la construction du Québec sont compétents et la formation est un élément clé de cette compétence. La formation demeurera toujours l'avenue à prioriser pour accéder à l'industrie. Il est prouvé d'ailleurs que la rétention d'un travailleur qualifié est beaucoup plus facile. C'est pourquoi je souhaite qu'on valorise les programmes de formation continue, d'acquisition, de rehaussement de compétences et d'alternance travail-études. La modernisation, c'est un grand chantier et ça implique plusieurs parties prenantes qui doivent collaborer pour trouver des solutions. I firmly believe that by working together, we will achieve great things. Dialogue is always the key.
Depuis le début de l'année, je rencontre régulièrement les partis syndicants, les patronales, dans des réunions distinctes afin de réfléchir à des pistes de solutions. Je suis heureux que des échanges soient actifs et que les partis démontrent une immense ouverture à la discussion. Déjà, ces échanges ont permis de déterminer les objectifs, cerner des préoccupations et d'établir les thèmes sur lesquels nous devons réfléchir. In addition, I've also met directly with individual workers and business owners from the sector to get a feel for what's happening on the ground. Together, we exchanged ideas and identified important issues. These meetings were all very satisfying and allowed everyone to share potential solutions and the means to achieve them, whether formal or informal, with associations or individuals. These meetings have all the same goal: maintaining social dialogue. Certains penseront qu'on est un peu idéaliste, mais je souhaiterais que cette modernisation, puis j'en parlais un peu avec Michel, soit l'amorce d'échanges réguliers entre les patrons et les syndicats et entre les provinces sur l'amélioration, l'identification de ce qu'on appelle les « best practices », comme cela se fait d'ailleurs déjà ailleurs au Canada. Je vous assure que je demeurerai à l'écoute et disponible pour mener à bien cet important chantier pour lequel j'ai l'intention de proposer des modifications à la loi sur les relations de travail dans l'industrie de la construction et d'être à l'origine de changements de nature réglementaire. One of the potential solutions to make sure that the construction industry has enough workers to meet its needs is to expand the labor it draws from. We can achieve this by attracting and also retaining people from groups who are currently underrepresented in the industry, such as people from immigrant backgrounds, women, and members of the First Nations and Inuit. Ces groupes représentent des milliers de travailleurs et travailleuses potentiellement intéressés à intégrer l'industrie. En 2021, l'industrie de la construction au Québec comptait 3,65% de femmes dans les métiers assujettis, tandis qu'ailleurs au Canada, la représentativité des femmes est de 4,46. Il y a eu une augmentation au Québec dans les dernières années grâce à un programme d'accès à l'égalité, mais il y a encore du travail pour aller au-delà du 4% et réduire l'écart entre le Québec et le reste du Canada. Il faut aussi s'intéresser à la rétention des femmes. Ce qu'on a constaté, c'est que le taux d'abandon des femmes était d'à peu près 55% dans les 5 premières années de leur embauche. Et parmi les facteurs généralement soumis pour expliquer ce taux d'abandon-là, souvent on retrouve les menaces, l'intimidation, le harcèlement. Évidemment, c'est multifactoriel, mais il va falloir tous ensemble se sensibiliser à cette réalité que nous considérons déplorable. With regards to integrating people from First Nations and Inuit, they represented 0.75% of the construction labor force in Quebec, compared to 4% in the rest of Canada. An important step is about to be taken to help include this group of workers whose importance is quite significant in many regions of Quebec. A plan like the Program for Equal Access of Women should be launched by the end of this year. Data from the 2021 census shows that people from immigration backgrounds represented only 6.9% of construction industry workers in Quebec, compared to 20.2% in the rest of Canada.
Concernant les minorités visibles, le pourcentage au Québec était de 4,1 % comparé à 13,1 % dans le reste du Canada. Un bassin important de travailleurs demeure disponible et c'est important que l'industrie mette en œuvre tous les moyens pour attirer et retenir ces ressources. Ça va passer par la reconnaissance des compétences. On a mis en place un comité stratégique avec la Commission de la construction du Québec, le ministère de l'Immigration, pour voir à mieux reconnaître les acquis des personnes qui viennent au Québec de pays étrangers. Et le gouvernement du Québec a aussi mis en place un projet pilote pour recruter au Maroc. Il y a déjà 7 entreprises qui y participent. 70 travailleurs ont été recrutés et ils devraient obtenir leur certificat compétences apprenties dans les prochaines semaines. Access to more remote clientele is also an issue across the country. As you know, the Canadian government imposes requirements to promote access to underrepresented people in the execution of certain public construction projects. For example, in order to obtain additional funding, contractors must hire more women, immigrants or First Nations and Inuit people, which has the effect of encouraging contractors to discover the potential of these workers. The current context is the ideal opportunity to have this type of reflection and discussion, which I have with my colleagues in the ministries concerned. Je voudrais également vous parler de l'importance de l'innovation et des technologies afin d'améliorer pas que la productivité, mais aussi la santé et sécurité des travailleurs et des travailleuses. Au Québec, on le dit, là, mais je vais le dire un peu moins fort, on se considère comme étant des leaders en matière de recherche et d'innovation. On a un institut à Montréal, Robert Sauvé, qui fait de la recherche sur notamment l'intégration sécuritaire en milieu de travail, notamment la construction de nouvelles technologies. Je suis allé d'ailleurs encore récemment pour aller rencontrer un robot collaboratif et il y a actuellement dans le secteur de la construction des robots quadrupèdes, collaboratifs et autres qui interagissent et qui peuvent faire du travail répétitif, qui peuvent aller dans des endroits dangereux et qui peuvent aller aussi dans des lieux où il y a un certain niveau de restriction physique. Cet institut is also on the lookout for innovations that will soon be found on construction sites, such as systems for detecting people near mobile machinery or intelligent protective clothing for thermoregulation in cold or hot weather. En 2020, le robot quadrupède auquel je référais, Spot, de Boston Dynamics, a été utilisé sur le chantier de construction de la place Ville-Marie à Montréal. Son rôle principal, se rendre à la place de l'humain sur les lieux dangereux et dans les zones restreintes. Il était utilisé également pour transporter des charges ou assister les travailleurs et travailleuses dans la détection d'anomalies. When properly thought out, these innovations can contribute not only to the competitiveness of companies, but also the health and safety of their employees. Robotics is undoubtedly a current and future field of development. Designing, programming, and also maintaining this equipment requires advanced skills and expertise that workers must acquire and maintain. Training and acquiring new qualifications will therefore be crucial to workers. It's important to ensure that all workers are well trained to reduce the risk and increase productivity. Puis je lisais récemment, là, les entreprises qui pensent que les nouvelles technologies, là, c'est la panacée, et qui ne s'intéressent pas à leur capital humain, ils n'améliorent pas, mais ils réduisent leur productivité.
Dans le Harvard Business Review, d'ailleurs, ils ont fait un sondage de beaucoup de compagnies, puis ils créent une césure entre les nouvelles technologies et les ressources humaines si elles ne sont pas adéquatement formées. Les robots, ça brise, ça a besoin d'être programmé, puis ça a besoin d'être coaché, et c'est du monde qui doit faire ça. Les ressources humaines vont toujours demeurer capitales, même dans notre ère de conversion à des nouvelles technologies et l'intégration de robots. Les conséquences des accidents de travail sont aussi importantes, qu'elles soient physiques, psychologiques ou même économiques, elles sont majeures. Encore cette année, les travailleurs et travailleuses de la construction sont ceux qui ont subi le plus d'accidents de travail et de décès au Québec. On parle de 300 décès entre les années 2018-2022. Je suis persuadé que les mesures mises en vigueur par la loi modernisant le régime de santé et sécurité permettront d'améliorer le bilan lésionnel et la vitalité des milieux de travail et mise d'abord et avant tout sur la prévention. Les nouveaux mécanismes, d'ailleurs, de prévention et de participation des travailleurs et travailleuses sont entrés en vigueur le 1er janvier dernier. Puis ça favorise notamment, après la survenance d'un événement, un retour rapide et durable au travail. C'est important parce qu'on sait que le temps passé en dehors du marché du travail est souvent plus dommageable que la lésion elle-même. My hope is that the modernization of the occupational health and safety regime can make the construction industry even healthier, safer, and more competitive for its workers. Le contexte dans lequel nous évoluons nous demande de faire preuve de créativité, flexibilité, ouverture. I wanted to talk to you today about my intentions to give the construction industry in Quebec a new foundation that will allow it to develop fully and reduce the red tape inherent in such a large industry. Certaines améliorations issues de nos réflexions pourront passer par des changements, comme je le mentionnais, de loi ou de règlement. Mais je tiens à vous dire, pour conclure, que je suis toujours ouvert à des nouvelles idées, des nouvelles solutions pour simplifier, pour améliorer notre capacité de répondre aux besoins des Québécois, des Québécoises, Canadiens, Canadiennes. Et au sein de vos instances, n'hésitez pas à faire des réflexions et les partager avec moi et mon équipe. Puis Michel le fait déjà de façon extrêmement intéressante et on est en poursuite de coopération à cet égard-là. Donc, on est ouvert. Vous êtes essentiel pour la population, pour notre économie. Sachez-le. Puis n'hésitons pas à se parler, mais travaillons ensemble pour un peu mieux faire, puis en faire plus. Merci beaucoup. Thank you and have a wonderful day.